Salut tout le monde, c'est MagiXpliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie que j'aime vraiment, car c'est un tour qui en fait pourrait limite se faire dans les mains du spectateur. Je pourrais être retourné et juste en fait claquer des doigts pour donner ce petit effet magique. Donc j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas moi je vous souhaite une bonne vidéo et on va tout de suite passer à la démonstration de ce tour de magie. Alors pour ce tour de magie, vous allez utiliser un paquet de cartes totalement normal, comme ceci, vraiment mélangé. C'est super important que le spectateur mélange le jeu, qu'il vérifie qu'il n'y a aucun trucage et aucun gimmick, ou que le magicien n'a mémorisé aucune carte. Voilà, donc une fois que le jeu est bien mélangé, eh bien vous allez pouvoir, donc le spectateur ou le magicien va pouvoir faire 6 paquets. Donc 6 paquets un peu spécial, puisque en réalité, la première carte qu'on va poser sur la table, eh bien cette carte là il va falloir faire le reste de la famille. Donc c'est un peu vague peut-être. Là imaginons c'était un 5, enfin imaginons pas puisque je viens de poser un 5 sur la table. Donc je continue, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, et ainsi de suite pendant 6 paquets. Ici c'est un 10, donc 10, valet, dame, roi. Ici c'est un 10 encore une fois, donc 10, valet, dame, roi. Ici c'est un 7, donc 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Ici c'est un valet, donc valet, dame, roi. Ici c'est un roi, donc comme c'est un roi je laisse. Voilà, et il me reste un paquet, donc plus ou moins important selon les paquets qu'on a fait précédemment. Donc là il y a 6 paquets, maintenant je peux me retourner. C'est très important que je me retourne, et je vais demander au spectateur de retourner 3 de ces 6 paquets. Donc imaginons qu'il retourne celui-là, ou encore celui-là, et pour finir celui-ci, voilà. Et les paquets qui restent, eh bien je vais lui demander de les prendre et de les mettre dans le reste des cartes qui étaient sur le côté, voilà. Ce qui fait un bon petit paquet, et là aussi on les met de côté, c'est le reste des cartes. Donc on a maintenant les 3 paquets qu'il a retournés, et ces 3 paquets là je vais lui demander de retourner la première carte de 2 des 3 paquets. Donc imaginons qu'il retourne la première carte de ce paquet là et qu'il retourne la première carte de ce paquet là. Voilà, il aurait très bien pu faire toutes les combinaisons comme tout à l'heure, et là il aurait très bien pu faire toutes les combinaisons, il aurait pu retourner cette première carte là et cette première carte là, etc. Voilà. Et donc maintenant moi mon but ça va être d'essayer de retrouver la carte juste là sans la retourner. Bien sûr, comme j'étais retourné pendant que le spectateur retournait les paquets, etc., je ne connais absolument pas cette carte là. D'accord. Et donc maintenant comment la retrouver? Bah déjà je vais compter 10 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, comme ici c'est un 7, je vais compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comme ici c'est un 5, je compte 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et donc maintenant on peut éliminer ce paquet là. Et donc là il me reste quelques cartes. Et ces quelques cartes là, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc maintenant je suis prêt à parier que la carte juste ici, eh bien c'est un 10. Et oui, effectivement, la carte juste ici était un 10. Et c'est quand même assez impressionnant, sachant que j'étais retourné, que le spectateur a tout mélangé, et que je n'avais aucun moyen de connaître cette carte-là, et encore moins de calculer le nombre de cartes qu'il fallait pour la connaître. Voilà. Donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour les explications de ce tour, en fait, il vous suffit de refaire la démonstration, tout simplement. Voilà, car c'est un tour totalement mathématique. Alors comme j'ai quand même envie de bien vous l'expliquer, je vais faire les explications. Donc je récapitule, c'est un tour déjà que j'apprécie de par le fait qu'il est mathématique et totalement automatique et impromptu. Donc c'est ça ce qui est génial avec ce tour, et qu'il impressionne quand même pas mal votre spectateur. Donc comment le faire? Vous l'avez compris, une fois que le spectateur a bien mélangé le jeu, eh bien on va distribuer les cartes. Donc moi je prends les cartes dans ce sens là, comme ça je peux les distribuer automatiquement et voir les faces, mais vous pouvez très bien les distribuer comme ça et les retourner, peu importe. Voilà, vous l'avez compris, là c'est un 6, donc je continue la famille à partir du 6, donc 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Ici c'est un roi, bah comme c'est un roi je laisse. Ici c'est un 7, donc 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi.
5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. 10, 10, valet, dame, roi. Ok, et il reste là encore quelques cartes, donc plus ou moins importantes selon les cartes qu'on a posées sur la table. Ok, donc une fois qu'on a mis ces 6 paquets là, c'est super important qu'on se retourne. Donc moi je me retourne et le spectateur, je vais tout simplement dicter au spectateur ce qu'il doit faire. Donc il va devoir retourner 3 paquets, n'importe lesquels, imaginons qu'il retourne ces 3 paquets là. Et les 3 paquets restants, il va devoir les mettre avec le reste des cartes que j'ai mis dans le coin ici. Voilà, donc il les met avec le reste des cartes. Vous lui dites qu'il peut mélanger ce reste des cartes s'il veut. Voilà, peu importe. Ok. Et vous lui dites ensuite que, là aussi vous êtes toujours retourné, hein, mais vous lui dites que dans les 3 paquets, et ben vous allez retourner la première carte de 2 des 3 paquets. Donc imaginons que vous retournez cette carte là et cette carte là pour changer un peu de la démonstration. Et maintenant vous vous retournez et vous lui dites que votre but ça va être de retrouver cette carte là. Donc vous distribuez 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous les distribuez avec le reste des cartes qui étaient dans l'angle. Et ensuite vous comptez les cartes que le spectateur a déjà retournées. Donc vous les comptez, ici c'est un 2, donc 1, 2. Et ici c'est un 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et maintenant vous lui dites que vous êtes en capacité de retrouver la carte juste ici en comptant les cartes qui vous restent dans les mains. Donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc vous êtes prêt à parier que la carte ici c'est un 5. Voilà, et effectivement la carte ici c'est un 5. Donc c'est vraiment impressionnant, le spectateur comprend rapidement que c'est un tour mathématique. Donc je vous laisse chercher dans les commentaires, ce sera intéressant de voir si vous arrivez à trouver la solution pour ce tour. Comment ça se fait qu'à chaque fois on arrive à trouver la carte, puisque c'est quand même assez impressionnant de se dire que c'est bon à chaque fois. Bon, c'est le principe d'un tour mathématique. Donc sur ce, moi j'espère que ce tour vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour de magie expliqué.